Je l'ai mis ou pas le nœud papillon Aujourd'hui on est là pour monter un putain de business plan, conquête financière. C'est pour ça que je me suis habillé correctement. J'ai essayé d'être sérieux. J'ai fait un sondage. J'ai reçu plus de 400 réponses. Et en gros dans le sondage, ce qui apparaissait c'est que votre priorité, et c'est bien, vous n'êtes pas à côté de la plaque, votre priorité... C'est le pognon, la thune, la caillasse, le fric. On va s'organiser. Il y a deux façons de s'organiser. C'est parti, petit partage. Business plan. Soit tu montes ton biz, hein, c'est ce que moi j'ai fait, soit tu bosses pour quelqu'un mais tu bosses pour un bon projet. Un projet qui est déjà dirigé par quelqu'un que tu considères comme étant supérieur à toi. Il faut aller vers les gars supérieurs pour apprendre à leur contact. Aujourd'hui, on va surtout parler de monter son business, c'est-à-dire le secret. Hein ouais, J'aime bien parler de secret, euh... c'est putaclic. La méthode qui m'a permis d'avoir un succès financier exponentiel. J'ai fait carrément une liste, je ne sais pas si je la ferai aujourd'hui, mais regardez, je vous montre vite fait la liste des business que j'ai monté. Le shit, ça a bien marché, mais pas longtemps, je me suis fait choper. Matos de jonglage, ça a bien marché pendant des années. L'airsoft, ah non, ça, ça a foiré, J'ai pas fait une thune, j'en ai perdu. Les ordinateurs, hein. j'ai euh, assemblé des ordi j'ai vendu ça a marché. Ça, spectacle de rue, ça a beaucoup marché. J'en ai fait 15 ans. Agent artistique, j'ai vendu les spectacles des autres, ça a marché. J'en ai vendu quelques uns. Acteur porno, oui et non. C'est-à-dire, ça a marché pour alimenter les autres business, mais j'ai pas fait tellement de thunes avec acteur porno, c'était pas énorme. Producteur de cinéma, j'ai tenté. Hein. Je vous raconterai un jour. Ça a complètement foiré. Coach spirituel avec ma première épouse, ça a marché. Coach sexuel, bah, numéro un de West europe bientôt du monde, ça, ça, ça cartonne. Hein. Producteur, acteur de porno, ça a plutôt bien marché, ça. Affiliation, ça marche bien, putain. Power coach, ça marche. Euh, si, si je cumule les ventes plus les ventes de coaching dans les 50 000 euros, et c'est que le début, hein. c'est vraiment que ça fait trois mois que je fais ça, mais euh, ça va durer longtemps. C'est surtout le plaisir que ça me donne qui est énorme. Et croyez pas que c'est des sommes énormes, hein, 50 000 euros par rapport à ce que je fais. Dans la même période, sur l'affiliation, j'ai fait plus que ça. Et sur le coaching sexuel venant des autres trafics, j'ai dû faire à peu près autant. Sidebiz 1, Sidebiz 2, ça c'est mes business parallèles que vous connaissez pas et dont je parlerai quand il sera temps de parler. Il y en a un qui a complètement foiré. Enfin, complètement, ouais. J'ai perdu euh, 15 000, 20 000 euros et pas mal de temps. Et il y en a un autre, et eh ben on ne sait pas encore, je ne l'ai pas encore lancé, on verra s'il marche ou pas. Et l'autre dont j'ai pas parlé, ben pourquoi parler de ses échecs, tu vois Pour que mes détracteurs se foutent de ma gueule Certainement pas. Je parlerai de mes réussites quand les réussites arriveront. Donc voilà, j'ai lancé pas mal de business dans ma vie, hein. je refous l'écran, mais il y en a quand même, on compte hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et j'en ai sûrement oublié. Voilà, j'ai monté 15 business, et vous voyez en vert ce qui a marché. J'ai quand même pas mal de trucs qui ont marché. Donc, je me permets, je me permets de vous dire, ouais, je sais comment monter un, un business model ou un business plan. J'ai pas mal de potes qui ont lancé leur business avec qui j'ai eu des grosses discussions pour les aider à monter leur business plan. Et aujourd'hui, je vais faire ça avec vous. On va commencer à parler de ma technique pour tout niquer en business, pour avoir un succès exponentiel. Cette technique, je l'appelle la technique de la synergie. Je rappelle. Que mes business sont quand même assez nombreux. Vous le savez, je fais du porn, je fais du porn éducatif, j'ai des business secrets dont je vous parlerai au moment voulu, je fais du coaching sexuel, je fais de l'affiliation. J'ai vendu en affiliation par exemple des formations sur le dropshipping, sur le marketing, j'ai vendu en affiliation, euh, je sais plus, des pompes à bites, <laughs> et ça rapporte de l'argent. Hein. Je suis également power coach. Alors, on va se dire, merde, le gars a six business, il doit devenir fou. Comment il fait Il pète un plomb, forcément. Il met de l'énergie d'un côté, mais en même temps, il faut qu'il gère autre chose. Ça va pas. Non, mais si, ça va. Ça va parce qu'en fait, chacun de ces business est connecté l'un à l'autre. Je te montre comment se font les connexions. Les connexions peuvent se faire soit par la promotion. La promotion veut dire que ça va m'amener du trafic ou m'amener de l'argent. Soit se faire par l'autorité. Je vais pouvoir utiliser mes succès dans un secteur pour prouver dans les autres secteurs que je suis quelqu'un de sérieux. Soit, ça va me donner des outils technologiques. C'est-à-dire que pour monter mon business et le faire tourner, il faut que je monte tout un tas d'outils et que j'embauche du personnel avec différents types de qualifications. Et bien, ces outils, ce personnel, qui me servent pour une de mes verticales, moi, mes entreprises ou mes secteurs, j'appelle ça des verticales, toutes les ressources que j'ai dans une verticale, à un moment ou à un autre, je vais pouvoir les exploiter dans d'autres verticales. Alors, je te montre un peu comment ça marche, que tu comprennes. Et rassure-toi, après, je te montrerai comment monter un business plan de base. Là, c'est très évolué, quand même. Je te montre comment ça se fait, que mes business aient aussi bien marché. Alors, au début, j'ai commencé avec le coaching sexuel, et ça marchait pas très bien. Au début, le coaching sexuel, la première année où je l'ai lancé, on va dire que je faisais 300 euros par mois. Ensuite, je me suis dit, ouais, je vais en plus me lancer dans le porn, mais sans trop réfléchir. Il n'y avait pas de stratégie à ce moment-là. J'avais juste une expérience en tant qu'acteur porno, et je me disais, je vais faire la production de films porno et je vais les faire très originaux. Je vais faire des films porno éducatifs. Et j'ai créé Hot to Fuck, et qui est devenu, à mon sens, en termes de qualité, le meilleur site de porno éducatif du monde. Allez trouver mieux. Il n'y en a pas. Au début, ce site n'a pas rapporté grand chose. Quand je l'ai créé, on va dire qu'il m'a rapporté, pff, pff, je sais pas moi, 400 balles par mois. Mais au moment où je l'ai sorti, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné beaucoup d'autorité et beaucoup de trafic. Le trafic, c'est la clientèle, c'est les visiteurs. Ça m'a amené beaucoup, beaucoup de trafic sur le coaching sexuel. Hop, là, je vais mettre trafic. Et au lieu de 300 euros par mois, je suis passé quasi immédiatement à 1200 euros par mois. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe J'ai créé un deuxième site et j'ai pas doublé mes revenus, je les ai triplés. Un truc de dingue. Mais j'ai pas vraiment compris sur le coup. Et tandis que je faisais ça, j'avais pas mal d'opportunités de shooter du porn parce que, voilà, je fréquentais un peu le milieu. Du porn pour le plaisir, voilà, j'ai créé un site qui s'appelle SweetX. Et l'idée, c'est que quand j'ai sorti SweetX, oh, ça n'a pas fait beaucoup d'argent, genre vraiment pas beaucoup. Hein un truc genre euh, 200 euros par mois. Vous allez me dire... Bon, ça a foiré. Ah ouais Ça a foiré Je crois pas. Je crois pas, putain, regarde ce qui s'est passé. Oh, to fuck, il est passé à 2000 euros par mois. Et le sex coaching est passé à 6000 euros par mois. Tu comprends Moi, j'ai commencé à comprendre. Quand ce truc s'est passé, j'ai commencé à comprendre que, putain, il y a SweetX qui m'a envoyé du trafic dans tous les sens. Mais genre, putain dans tous les sens. Elle va voir sur X vidéo j'ai 100 millions de vues. Elles se sont pas faites tout seules les vues. Ça force de poster les extraits de mes pornos. 100 millions de vues, tu vois ce que ça fait C'est énorme, c'est truc de malade. Et dans mes pornos, à chaque fois, je mettais des pubs. Et puis il y a ma gueule. Donc on me voit baiser, et puis d'un coup il y a une pub qui dit, ben bah, écoute, euh, si tu veux une bonne érection, viens sur mon site j'aimecorda.com, moi je vais t'apprendre. Bah je connais les techniques, chaque acteur porno. Et les gens se disaient, effectivement, quitte à écouter quelqu'un, lui, il a l'air de savoir. Et ça a boosté mon, mon business. Et là, j'ai compris, OK, il y a un système de revenus exponentiels. C'est-à-dire que quand tu as des business que tu fais marcher les uns avec les autres, qui te transmettent soit du trafic, soit qui te transmettent de l'autorité, ça se multiplie. Et j'ai continué comme ça. J'ai fait de l'affiliation. Bien Les partenaires avec qui je me suis affilié, leurs propres clients m'ont découvert un petit peu aussi. M'ont acheté des produits. Quand j'ai fait Power Coach, tous les mecs qui sont venus vers moi en mode OK. Apprends-nous la discipline, ça m'intéresse. Apprends-nous le time management, la manipulation, l'éloquence, tout ce que tu veux, ça m'intéresse. Ces gens-là ont vu la qualité de mon travail et ils se sont dit Ok, ce mec a de l'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont allés acheter mes produits. Je crois que là en ce moment, c'est plutôt 4000 euros sur What Fuck. Ici, Sweetix, ça fait toujours pas des milliards, hein, ça doit faire 1500 euros par mois. Euh, le coaching sexuel, ça dépend des mois. Alors là, euh, au mieux, j'ai fait 86 000 euros dans le mois. Au pire, je vais faire 10 000. Mais pour être réaliste, même encore aujourd'hui, on va dire que je suis à 20k par mois, quoi, un truc comme ça. L'affiliation, je dois être à 15k par mois. Et euh, power coaching, je suis à 12k par mois, on va dire. Et pff, je dis un peu de la merde. L'affiliation, ça serait plus 10k par mois. Mais ça dépend des mois, tu vois. Il y a des mois, je fais plus ou moins. Euh, ah et puis il y a mes side business mais que je n'ai pas encore lancé donc on va voir ce que ça donne et honnêtement si ça marche je pense que ce side business à lui tout seul pff, il va exploser tous les autres en termes de revenus et qui va booster en plus tous les autres ça pourrait être une putain de claque hallucinante qui choquerait beaucoup de monde mais j'attends en fait j'attends d'avoir le résultat pour euh, pour frimer je bosse dessus et ça se passe bien on est d'accord mec, là tu viens d'écouter pendant 10 minutes les conseils business d'un type qui porte un nœud papillon et une chemise à manches courtes. Bah, c'est comme ça. Écoute, abonne-toi, juste en dessous tu as le lien pour mon canal Telegram, c'est là où ça se passe. Et il y a également le lien pour la liste d'attente DBL, à savoir que c'est un extrait du live DBL, ce que tu viens de voir, c'est le teasing, c'est le début, c'est l'intro, c'est pour intéresser les gens, c'est pour leur dire, bon les gars, je connais un petit peu mon sujet, je le prouve par les petites anecdotes. Et maintenant, je vous dis quoi faire. Parce que si tu commences dans le business, tu n'as pas commencé à dire eh, comment je vais organiser mes six business pour qu'ils fonctionnent. Non, tu vas commencer par en faire un. Et après, tu vas réfléchir pour en faire d'autres et qu'il y ait une sorte de logique que tous ces business fonctionnent ensemble. Mais il faut déjà partir de la base. Un business et le faire fonctionner. Ça, je l'apprends dans des BL. Allez, clique sur le lien.